Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Nanzira ya manaka ya pona Congo otomisana ko zalaka mikolo na mikolo bokamati li bwaka kolanda biso partout à travers le monde. Chers compatriotes, amis téléspectateurs ya Congo Buzz Télévision, mbote pe boe bola mon vendredi 26 avril 2024 ou talobi moleki campagne électorale et bandaki kuna la ensemble provincial mai matali élection ma gouverneur pe ba sénateur ou kosa le mabongo lundi prochain, le 29 avril 2024, soit Mokolo, ya Poso, ya Liboso, ya Smeno Ezali, eko ya malgré ba problème ya financement, ndenge senye a lobby, oyo baza eko senga bon na gouvernement, bata la likambo yango, parce que moi, mon solo, ezo pose problème, élection, ya ba gouverneur, pe ba sénateur, kuna nangambo Équateur, ezu moi, mboutou mboutou, faute ya installation, ya bureau définitif, ya ensemble provincial, résume en tango Ezali bongo reporté et batali sibisho selon communiqué moko ya seni que maponomi yango Ezali reporté le 7 mai prochain élection ba gouverneur pe ba sénateur nani penza asengeli na esika yango tomoni ba ebele bazalaki ba ponoma ki lokola ba député national ba se présenté le sous lokola ba sénateur ba mususu kout ba kei ki nena koza la pe ba candidat à gouverneur solo et puis qui s'amuse à m'embêter comme mon côté, mais est-ce que il faut carabatomon comme mon co c'est la question. Et Ezali bongo kotungi sabongo obana boka, mais la vraie question ici c'est que nani cohabitation entre gouvernement, gouvernorat, na bon semblé provincial, tozoli kake tour, oyo kozala bongote, pour na avancement, y a ba province, na biso tozong et la dossier forage, pe ba lampadaire, mon solo, y a l'état et bimaki, si ma dernière sortie médiatique, y a ministre, y a finance, son déconi, Nicolas Kazadi, est-ce qu'il faut qu'on relève quelques indices? Il y a détournement tangoye à Koutaki, bongo dossier ango likolo a mesa payé à Salika Kamosa na ye lokola argentier. Il y a République. Est-ce qu'il faut ko telemelaye ko responsabiliser ye nani penza azali responsable na mbongo ya l'état o ebimi kasi mosala esalemi lolenge et longo obanite tolobela Congo na tongo la lelo toza bongo na maître Jean Pingalo, la personnalité politique proche de l'opposition. Manambo kambote pe boyebola. Merci na yo mama Naomi. Tikaninga ibomo mesano na tombela bayimboka esika bajomi. Jambo yeno batoto ya Congo, Mungu wangu anubariki. Bona beno bampangi ya Congo. Wetwa obana betu ba mu Congo wa mungalata. Mukalenga wa mujulu atambe kunafunia vide mukulu anutu envwe envwe. Donc muimboka merci mingi na moni ba mikonza na yo e ali telema na motu ya mingi na kosepela na analize be yango na ali na biscuit na ngai telelo. Très bien, merci beaucoup tozandeko Mike Diana moko ya bayi journaliste ya mboka na biso on pa disango bonjour et bienvenue. Merci madame Naomi.
Mbote pena bande ko bazolanda biso na tongo. Na zoli ki akelinga la ko zo mo matata te. Teto ko bunda na ngo ndengo. Très bien. Communiqué à Alliance pour le changement avant tout côté la Bongo na Mozindo ya Maloba. Il y a émission na Monsieur Mokona Lelo, parti cher il y a Jean-Marc Kabund, Ezwami na Boloko. Bango ba fête ki Bongo deuxième anniversaire na Bango na cadre wana ba pesi Bongo. Septembre en 2 heures na justice congolaise bay ba Bongo ko bimisa ya Bango président national. Oyo selon Bango azala ki Bongo condamné injustement incarcéré gratuitement sans que azala notifié na arrêt ya cour de cassation sur condamnation au bison stoye bia 7 ans et CG Billy Mutono abengi bongo ba militant bazala bongo près ya ba action oyo bango bakosala na mikolo omizali koya na ngambo na bango Idopes Tshisekedi ba annoncé importante matinée politique comme mokolo ya lobby samedi na siège da parti na bango kuna na limité 2 points à l'ordre du jour. Présentation, il y a rapport de commission de gestion des ambitions en rapport avec la mise en place des institutions. Peu bas, question d'actualité, Kozala Bongo, Kolobama, Nandeko, Augustin, Kabouya. Voilà, Tozongela Bongo, élection ma gouverneur, peu bas, vice-gouverneur, la ma province, Nabichou, Kosal, ma bon, la ma province, Nyon, sur 25 sur le 26, province, sauf Lunangambo. Il y a Équateur, Bicicla, Pibiro, Ezoame, Vandina, Noté, Nani Penza, Sengeli, ceux qui toquent à Kinshasa, au moins 5 candidats basali signalés. Moko na moko a zekopé sa ma kandinae pour la ville province ya Kinshasa. De Kojonpinga lolato fungola manaka na yo na ba union so batanga mikino siko bato même baza porté na union sacrée. Banan penzan de ba Sengeli pour na kokamba bongo ba province na biso. D'abord, je suis en train de noter que l'union sacrée vit dans l'hypocrisie. L'IDP Cézali n'a qu'à tirer à cause à la sincérité avec ses collaborateurs. Comment ça? Voilà. Donc, maman, au moment d'un spectacle, oui, ça l'a mis à l'Assemblée nationale. Et na mbanza été comme politicien. Et Pessi, Mayele, na bateau, yo, bazali, le collaborateur, il y a IDP, va comprendre yango. Ne soyez pas étonnés, je suis en train de voir avec mes lunettes. Kedi Yelina Bumba, Bazali ba candidat malheureux na poste wana ya gouvernorat. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes garanties que Mboso avait. Or, vous avez avec moi Boyoka qui était Ndekonabiso Vital Kamere. Oyo tango ba voteye azui Bongwende wana ya président ya Assemblée nationale Olandagi Malobana ya lobby. J'étais déjà le candidat du chef de l'État il y a 2 mois. Donc, c'est-à-dire, si nous voulons faire la déduction par rapport à cela, vous comprendrez que, c'est-à-dire, c'est depuis février que lui savait que je suis déjà le candidat du chef. Voyez maintenant ce qui va se faire. Le lendemain, après avoir été élu, Azo Kota et pas chef de l'État, le chef de l'État, alors que l'élection est salémina noté, ou alors qu'il y a eu un primaire. Mais aussitôt entré chez les chefs de l'État dit « Monsieur le président de l'Assemblée nationale, bonjour. » Non, il ne pouvait pas parce que la compétition est encore là. Nous parlons du chef de l'État, madame. Moi, j'ai toujours eu cette élégance-là. Quand je parle du chef de l'État, je parle du chef de l'État. Et sa position en appelant directement Kamere, président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui reste pour les autres candidats? Est-ce que l'élection maintenant sera crédible à l'Assemblée nationale? C'est là la grande question. Donc, c'est pour dire que les élections ici qui vont se faire pour les gouverneurs, Amungai na komona yango mama, na linette, na manioli, na talipe malamo, na moniete, il ne peut sa zana kata ko zo babaninga na ye. Bato bazali lokola balié naye, mais ce qui n'est pas bien, l'union sacrée se réunisse plus autour des postes, autour du pouvoir, mais pas autour de l'idéologie, pas autour du bon sens et de la rationalité. Bango bazali wana likambo na bango etali bango mingezali poste, et pour les postes, ils sont prêts à tout. Et ils sont là d'abord. Edi Yeli,
Azali wana na bumba bazo kusalaka makelele bangonde ba candidat. Mais de l'autre côté, si vous vous fréquentez les gens de Kasongo, vont vous dire non non, c'est moi qui est le candidat du chef. Mais en réalité, qui est le candidat du chef? Est-ce c'est Bumba? Est-ce c'est l'autre Kasongo? Je suis en train de vous dire, le vrai candidat du chef de l'État dans la ville province de Kinshasa, c'est Kasongo. Vous voyez Kasongo remporté face... Il va remporter facilement Bumba, parce que... Azali Bongo candidat porté par l'Union sacrée. Je vous dis, lui est le candidat du chef. Le problème ici, c'est le candidat du chef. Monsieur Tshisekedi se comporte d'une manière où je ne sais pas dire. Vous entrez dans son bureau, il vous dit non, vous, vous êtes mon candidat. Quand l'autre vient, vous êtes mon candidat, j'espère à vous. L'autre gars vient, vous êtes mon candidat, j'espère à vous. Mais après, est-ce que vous voyez que Kamere pouvait passer? Prenons cet exemple. Kamere, quand vous voyez la moralité de Kamere. Pourquoi pas, à sa deuxième fois. Non, 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 madame. Pour la énième fois. C'est pour la énième fois que la population congolaise est allée extrêmement déçue dans le comportement de M. Tshisekedi. Kamere ne pouvait pas devenir même un chef coutumier, même un chef du quartier en République démocratique du Congo au regard de son casier judiciaire. Il est extrêmement sale pour la gestion publique des choses de l'État. Kamere a été le directeur du cabinet du chef de l'État. Scandale! Il a été ministre de l'économie. Lavé par la justice congolaise. Madame, je suis en train de dire, faites attention, maman. Bakongo mani bako tombokane loko. Yo si on mona moto ba quitter la justice, mbongo monanité, mbongo ke wapi kasi. Où sont les maisons préfabriquées aujourd'hui? Et là, on les laisse là-bas, il va en économie. Et aussitôt arrivé, intimidation, je suis allé prendre les maïs. Il arrive là-bas, jusqu'aujourd'hui, Masango yete ayagina ba graine. Mais ma graine, wana aloni wapi. Donc, c'est-à-dire que, voyez là où il a laissé le taux du dollar. Voyez là où est-ce que les Indiens, les Libanais ont bâti qui côté qu'endetté en République démocratique du Congo. Non. Combien coûtent les denrées alimentaires, les biens de première nécessité, vivrière pour la République démocratique du Congo? Combien ils allient? Et c'est le monsieur-là à qui il pèse sur lui les indices sérieux de culpabilité, de corruption. Et on le prend, on le place comme président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est propre? À cause de la courage, il y a qu'à sanctionner ministre voleur, mais il sera son collègue. Madame, quand tous les gens qui ont été en tous les gens qui ont été en même temps, Nicolas Kazadi, je suis en train de me dire que je suis en Nicolas Kazadi, a suis en poste de me. Mais comment? Nous sommes dans une république où il n'y a que les voleurs, les escrocs qui gagnent les marchés publics. Et il n'y a que... Mais je vous dis... Non, non, quelle élégance que vous voudrez, madame. Quand vous avez, pour un forage, on vous dit c'est 297. Alors qu'un forage coûte 2500 quelques dollars. Et ça, c'est de l'élégance que vous voulez. Merci chez moi. Beaucoup, je... Lorsque vous avez le projet Tilé Gelou, vol. Vous avez le projet 100 jours, vol. Vous avez le projet de Lampadaire, vol. Vous avez le projet, tous les dossiers, tous les projets, tous les histoires de Tshisekedi. Il n'y a que vol. Et vous dites, ça, c'est de l'élégance au sommet de l'État quand on gère la République. Madame, je suis déçu. Merci Maître Jean-Pierre Ongalula Ndeko, Nicolas Kazadorba, qui est à forage. Nicolas Zali, maman Namouyibi, je vous dis, il sera arrêté. Qui se met ça en sa tête. Bako Kangaye. Il sera arrêté. J'attends mon cause on en a développé. Ndeko Mike Djana, Malobombo Kawayo, parmi ma. Candidat gouverneur, ce qu'il faut tout dire, on a Kinshasa, au Batangami, Nani Penza, Azako, Pesabon, confiance et Painayo, en termes de critères, en termes de programmes, en termes de défis à ville province à Kinshasa. Bon, Naroza Laclair, en termes de programme, moi j'ai eu la chance de voir ce qui s'est fait ailleurs. J'ai eu la chance de voir ce que nos amis sénégalais, il y a de 5-10 ans, ont fait. En termes de programme, Namouni, programme Monteza, à mon sens, suffisant pour répondre à un défi réel à Kinshasa. Mais cependant, un candidat va se présenter, il y a peut-être pas le moindre mal, mais c'est lui qui semble être un peu plus inventif. Au Yazo, on a que, Aza quand même n'a pas idée qu'au Leka, on ne va pas se le voiler, c'est Déo. Mais le problème, c'est que, est-ce que être bon manager, n'a pas entreprise, n'a pas, vous garantit être aussi bon manager pour gérer une ville comme Kinshasa? Naïbi Sarabato, Kinshasa est une ville à reconstruire.
Kinshasa a été pensé dans une période où sa population était estimée à 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à près de 20 millions d'habitants. Il faut rebander la ville. Mais bien au-delà de ça, je crois que le problème n'est vraiment pas si gouvernement. Le problème est Abisso. Je crois qu'on a... On n'a pas permis à ces gens, il y a Opé Sabiso, la vraie température, il y a Mambo Balibasa. Il ne suffit pas de venir nous dire, parce que Kinshasa a quelques défis au Yébi. Autant, on a reçu le sambouteillage, on a reçu Tonganzela. C'est bien de venir nous faire ces discours, c'est des VPE. Mais après, Yébi Sabiso, ça l'a rendu. C'est la grande question que nous ne posons pas. Parce que Kinshasa est une ville, Kinshasa a ses sources de revenus. Kinshasa a de seuil à ne pas atteindre en termes de mobilisation de recettes. Quand tu veux établir un projet chez l'ONE, et Pessabissou efficace, comment tu vas les gérer dans ma charge fixe les à Kinshasa. Aujourd'hui, tu vas arriver dans une ville de Kinshasa où la plupart y a ma portefeuille, n'a pas déguerpi. Bazakou n'a pas bureau lui sous-souté. C'est un problème. Tu arrives dans une ville de Kinshasa où il n'y a même plus de grandes routes. C'est-à-dire qu'on est même coupé dans ma route des dessertes. On est dans une ville de Kinshasa où, quand vous parlez des questions de marché, je ne suis pas sûr qu'il y a encore un marché viable. Le seul marché, Zalaka, en matière de sécurité, en matière de viabilité, Tikalagibi, c'est le marché de la liberté, mais va voir ce qui se passe là-bas. Tu te rendras compte que c'est plus le cas. Mais marché à Zando, on n'est même pas... Oui, mais Zando Bazotonga, ça fait combien de fois on nous a annoncé que aussi la mois prochain, 6 mois après Silika Raté, 6 mois après Silika Raté, on continue à aller. J'ai eu la chance de voir, c'est vrai que ma bâtiment ici a été émis, mais ce marché-là, je ne suis pas sûr qu'on pourra être livré dans cette année. Ce qui est sûr, c'est qu'à la limite, si ça arrivera, ça sera vers la fin de l'année. Tout ça, il faut pouvoir repenser parce que ça fait partie des agrégats, des éléments économiques qu'il y a ville. Donc Kinshasa a tellement de défis. Il n'y a pas un projet qui m'est satisfait, mais individuellement, là-bas, candidat, je pense que, parce que jusque-là, Daniel Bumba, Nazukutu, occasion Teroyo, Kessika Oloba, Namoni, présentation, un projet, mais c'était un projet bancal. Un projet où les gens boutiquaient 2-3 trucs, Bendi et Lokoa, Bendi à gauche, à droite, mais c'est des choses en quoi lui-même il ne croit pas, excusez-moi de le dire comme ça. Donc ici, on est obligé de ramener les débats sur le profil individuel de gens, ou lié Toyo, Kaba projet Nakati. C'est ça, les malheurs, mais bon. C'est la culture, il y a moindre mal, on ne peut pas s'en échapper. Je voulais revenir également sur un élément, il y a Assemblée nationale. Nangakana a rappelé Nandekonangaï une chose. Il y a peut-être beaucoup de choses en termes, il y a perception, la cause à d'accord, naïe. C'est-à-dire, dans la vie, il y a ce qu'on appelle, oui, la justice dans le fond, mais il y a aussi la question de l'opinion publique sur un individu, la question de probité. Moi, je serais d'accord avec vous que Kamere a été lavé par la justice, ça c'est une certitude, c'est de fait. Qu'est-ce que je dis? C'est de droit, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Kamere est privé de ses droits politiques? La réponse est non. Faut pas payer en éducateur de masse, faut pas totia, makambo, eza, et longo banité namutu yabato. Parce que, à la limite, ça frise non seulement de la discrimination, mais ça peut constituer une infraction. Les loyaux, je veux dire la vérité, peut-être éco-choqué, mais dans le 3 candidats pas présentés, quand on est le meilleur candidat pour ce poste-là, c'était Kamere. Il a échoué en économie, oui, il a échoué, mais il reste aujourd'hui dans le panthéon, là, des meilleurs, là, sinon, le meilleur président de l'Assemblée nationale. En termes de gestion de personnes, en termes de gestion de débats, en termes de législation, il a eu une expérience. Bâti sur les questions techniques économiques a peut-être beaucoup plus d'avantages que Vital Kamere, mais sur le droit législatif, sur la question de la gestion du Parlement, personne n'a le profil de Kamere. Moi, je me le disais. Et est-ce que quand le chef de l'État l'appelle, monsieur le président de l'Assemblée nationale, parce que Ngana et Tebik, oh, il y a des informalités, le Parlement exerce un mandat collectif. C'est-à-dire, ça obéit au principe de la majorité. Le chef de l'État avait peut-être son candidat où il disait c'était Vital Kamere, mais n'a qu'à imposer au Ténabatoumoussous parce que j'ai des alliés. Allez organiser un primaire, prouve-moi que tu as de l'adhésion en interne. Dès que les autres adoptent, c'est alors que moi je serai aussi d'accord. Pour moi, c'est peut-être pour une première fois que j'ai vu qu'il a fait preuve d'un peu de démocratie. Parce qu'à la limite, Batoumoussous va qu'on imposer, et c'est mon candidat, et puis je l'impose. Botiaïwan. Dis, mais moi, je veux que ça soit toi. Batoumoussous va qu'on ici, que Tata Mokameko, la coquette pour gérer ambition, la quantité, et moi, les voix qui vont. Non, c'est pas question. Vous savez, il y a question pour gérer. Ça peut être vrai, mais n'indimité qu'il y a question à gérer ambition. Les ambitions, ce qu'il a fait, ça fait partie aussi de la gestion des ambitions.
Les gens pensent que gérer les ambitions, c'est souvent imposé. Dans le management politique, je peux gérer l'ambition en vous amenant sur un terrain où j'arrive à mettre tout le monde d'accord. On va par un processus clair et net pour vous faire comprendre que mon choix n'était pas un mauvais choix. Eza Mambo et Salama ailleurs. C'est-à-dire que tu arrives, au-delà, il y a question, il y a République. Avant que Kendebi soit démocrate, te présenter candidat à mission en interne, on se met d'abord d'accord. De se rendre compte que tous les démocrates vont fédérer autour de lui après ma primaire. Et je crois que c'était une manière de dire aux gens, je choisis Kamere et il a de la sympathie en interne, ce qui justifie mon choix. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un candidat, Ngaï na lingé zala, Naominda zala candidate Ngaï, mais na bande koné na katia yo kanarana moutouté. C'est aussi mal gérer les ambitions parce qu'à Koko Mana Parlement, le même Zami au bazar à côté, bah, on constitue blocage, n'a rien à Koko Sam Salaté. Donc, faut faire approuver son choix. Et pour moi, ça me rapproche un peu na réforme Moko, un opposant avait fait qui, moi, je trouve génial jusqu'à aujourd'hui. Pour un problème, il y a bah, délai, il y a mise en place, il y a exécutif. Délai, c'est Sanga. Il a estimé que, au lieu de perdre à 4 ans, bah, il y a un formateur à gauche, à droite. Dès lors que le chef de l'État est nommé, dans les semaines qui arrivent, il nomme un premier ministre en fonction de sa majorité. Et il passe par le vote d'approbation. Ce qui, parlement, balingui était, bah, voter motion en censure contre les coïssiers, comme ça, le chef de l'État l'étant de chercher un autre premier ministre. Mais si c'est pas le cas, bah, adopter, on commence le travail et lui compose son gouvernement. Pour moi, c'est la meilleure de réforme pour nous permettre de résoudre parce que Tolobaga Mandez est à 5 ans, mais il n'exerce pas 5 ans. On passe parfois un peu plus d'une année, n'a pas tractation à gauche, à droite. Pendant ce temps, la République est dans un vide. Samalou Konde ne peut presque pas signer certains documents sensibles. Judith ne peut pas parce qu'elle n'est pas encore investie de ses pouvoirs. On est dans une période de vide. Or, ben, bleu, quand on peut résoudre ça. Et moi, pour moi, je crois que c'est la meilleure des méthodes. Mais j'espère qu'ils seront bons perdants parce que l'attitude d'Yambo Sonamona Kiyona, ça m'a fait rire, mais après, ça m'a beaucoup interpellé. Si, le bonheur, c'est que ça créera toujours des frustrations. Une défaite est créée avec la frustration. Mais parce que le processus a été clair, il y a une forme d'acceptation, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, la cause, elle a d'accord, ça crée une frustration. Mais ma frustration ne peut se reposer sur rien. On dit, on est parti sur un processus démocratique. J'ai perdu. Ça fait de moi un bon perdant. C'est ça le bonheur. Parce que frustration, la politique, vous allez quand Nganazaki, en ambition, et comme président, Nazuité, c'est normal que je sois frustré. Mais le problème, c'est que ce qui est élément injustice, c'est Zali, Ndessa, la racomonie, frustration, on est commis, élément péjoratif, na groupe. Mais le fait que le processus est clair, tu es obligé de gérer ta frustration et passer à autre chose. C'est ça le bonheur. Donc je crois que j'espère que Vital Kamerhe ne va pas refaire le coup du ministère de l'économie. S'il est arrivé là, je le dis, c'est. Pour mon sens, c'est le meilleur candidat. Naposte, il a un passé qui parle pour lui. Et j'espère que cette fois, il viendra faire mieux parce que Abo Sanaté, contexte échange à Kala. Assemblée nationale, il y a Koutaki, la période où il y a FCC venu avec des gestions. Aujourd'hui, en marche, c'est-à-dire la République a fait quelques pas en avant et la gestion de hommes diffère. Et les lots, bon, on va dans le monde, peut-être n'a mot différent, l'Union sacrée n'est pas. Un regroupement politique, c'est une plateforme à la base électorale. C'est quoi que j'ai ma ambition. La preuve, c'est qu'après, au sortir de l'élection, je vais créer un groupe à côté. Je vais créer un bloc pour faire valoir ma droite. Et ça, politique, tu refuses de refuser. Quand on vous donnera un quota pour un poste, choisissez des bonnes personnes. Envoyez des personnes qui en ont suffisamment dans la tête. C'est pour votre avantage, j'avoue, en tant que regroupement, en tant que parti politique, et c'est aussi l'avantage pour la République. Cette responsabilité revient au parti politique parce que on est dans un esprit de partage. Le chef d'État ne peut pas gérer seul. La zana ba allié, ba compagnie, nanini. Il faut appeler sa bango accès na gestion. Mais na accès wana ba imposer quand même un certain critérium. Si possible, boutia un job description. Pour être ministre de l'économie, il faut ça. Établissez des profils très calibrés comme ça. Ça leur permettra peut-être à coéviter ba problème. Alors, même nous, ba D6 na. Le gouvernement et c'est ça le sérieux. Très bien, merci beaucoup, maman Soumino. À la Kaki qui est cause de l'autorité morale, à cause de bateau, baza compétent. C'est pas elle de décider, c'est ça le problème. C'est pas elle de décider. Atika dictature, on a c'est pas le premier ministre de décider. Vous vous établissez un profil, et ça partit Nabissou. Dites-nous quel est le profil que vous voulez. Nous, on décide de vous envoyer quelqu'un qui correspond à votre profil. On ne va pas dire, vous êtes leader politique. Depuis quand c'est elle l'autorité qui décide de autorité ou pas? C'est pas à lui, le chef de l'État à la limite peut-être, mais pas à elle. Très bien, merci beaucoup. Tozo bongo communiqué oyo ya bande konabiso ya dynamique nga
Fanny oyo bazali bongo ko retirer bongo soutien na bango ya makasi penza na candidat gouverneur Grace Bilolo oyo azali bongo na province ya Congo Central selon bango azali candidat oyo asengeli penza na likambo etali bongo kokamba bongo Congo Central tolanda bongo réaction na bango to déclaration na bango simato zonga po tozwa deuxième partie il y a émission P dossier forage. Soutien à monsieur le vice-gouverneur Grace Bilolo Masangu au poste du gouverneur du Congo central. Nous, membres de la dynamique Ngafani, venons par la présente réitérer notre soutien indéfectible à son excellence monsieur le vice-gouverneur du Congo central. Et par la même occasion, nous soutenons sa candidature au poste du gouverneur du Congo central pour son leadership, son savoir-faire et son abnégation. La dynamique Ngafani lance également un vibrant appel à tous les nés Congo d'accompagner le fils du terroir à la tête de la province pour lui donner les moyens de réaliser sa vision. Animé par les soucis de doter à la province une nouvelle robe, le vice-gouverneur Grace Bilolo Masangu s'est dit prêt à apporter sa pierre pour l'amélioration du bien-être social des Nés Congo. Vive la dynamique Ngafani, vive les Nés Congo, vive la République démocratique du Congo. Grâce Bilolo, yé toyé billé. Grâce Bilolo, yé toyé billé. Voilà, prenons deuxième partie à sujet la bichou à Mokonalelo et émission la bichou et déjà dossier forage pelampadaire jusqu'ici est-ce qu'il faut couper sa bongo qu'on soit bon bandit il y a culpabilité tout bandit il y a détournement puisque le procureur général près la cour de cassation a joué qui a saisi ça qui du dossier pour nakosa la banquette n'a le capital du monstre Kassim Nicolas Kazadi ministre de la finance Abimaki Bongo na silence na pour nako expliquer na mozindo nini penza et salemaki sur ces dossiers et est-ce qu'il faut l'accuser à tort parce que yende abimisa ki mosola alors ka kuta ki kaka bongo au dossier ango trobana bongo na maître Jean-Pi Ongalula sur la question ya surfacturation pe mosolo ebimaki bongo koni kambetali ba lampadaire pe forage mo le bombo kayo vous avez voulu analyser et le lot est-ce que ba indice ya culpabilité to ba indice ya détournement et ça merci ya mbona ya nola na mutuna na yo tikani ngai na sosolisa mayinde konanga ya lobby il a dit que Kamere azalaki parmi choix ya malamo na bato nyo so bazala ki place wana non de konangai ça c'est je ne sais pas vous l'avez eu où ce matin ou depuis longtemps Kamere n'est pas un modèle pour occuper même pas un chef de riz même pas un administrateur du marché pour avoir détruit le ministère de l'économie et pour avoir reçu de lui les empreintes sans ailleurs, les gens comme Kamere doivent s'effacer sur la scène politique. Se mettre à l'abri. Parce que, ils ont dit Sony, Mogo Yako Sakana, niveau Sony, ils ont insupportable. Je ne sais pas, prenons l'exemple, à l'impossible de tous les exemples. Tozwa, Nicolas Kazadi, maintenant, va bien que l'Assemblée nationale, pour la matière où il y a détournement. Est-ce que Kamere peut être capable de les sanctionner? Vous avez un problème personnel avec Kamere. Mais c'est son collègue, madame. J'ai un problème. Il a été lavé par la justice. Qu'est-ce que vous... Cher maître Oyebi, attendez, on lave, l'argent ne se trouve pas. Bon, mais mon anité, tu dis qu'on a lavé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de détournement. Laissez-moi parler. Justice, cher ami, quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Non, c'était juste un complément. Il y a quoi la loba qui, que dossier 100 jours, topé. Aujourd'hui, les acquis est quitté à 80%. C'est qu'il n'y a pas eu de... Je vous dis que, heureusement, que le chef de l'État, la loi sur les anciens chefs de l'État les protège. Mais s'ils continuent avec ça, ne soyez pas surpris de les voir un jour devant la barre. Surtout avec Kamere comme étant président de l'Assemblée nationale. Et le risque de les mettre en accusation un jour. Ça, je vous l'ai dit. Maman, quelqu'un qui a détourné,
On dit on l'a lavé, mais où est les choses que les gens réclamaient de lui? Où sont les maisons préfabriquées? Est-ce que vous pouvez justifier ça devant les Congolais? J'ai un problème avec tout celui qui détruit les tissus sociaux des Congolais. Tout celui-là, c'est un problème pour moi. Il ne peut pas parler là où je suis. Bon, il y a un problème avec les collègues de Vital Kamerhe qui est Nicolas Kazadi, dans le même processus de vol qu'il a hérité de M. Kamerhe qui a montré la route. Madame, à ce jour, Nicolas Kazadi, c'est un prisonnier en liberté. Comment ça? Voilà. Nicolas Kazadi, Azali, responsable à Maïnio. Il est dans une très grande. Dossier na mesa na ye. Maman. Il n'a fait qu'exécuter. D'ailleurs, à l'opi, ba service na balandela qui pour ba réduire mon solo et sengamaki. L'avantage pour moi avec ces dossiers, c'est que c'est dans mon domaine. Laissez-moi vous expliquer. Oui. Nicolas Kazadi est patron d'une entreprise de l'association des malfaiteurs. Oh. Très aggravé, tissé par des liens de participation criminelle pour piller la République démocratique du Congo. J'assume ce que je suis en train de dire. Il est dans une association de malfaiteurs pour piller la République démocratique du Congo. L'unique place pour lui, c'est la prison. Démontrer qu'il est coupable. Voilà. Voilà maintenant, le monsieur dit ceci. Il dit non, le projet, c'est ça. Ça ne commençait pas avec moi. J'ai trouvé le dossier sur ma table. Ça a commencé et tout, tout, tout. Là, oui, tu as raison. Mais écoutez, en droit, il y a l'auteur moral et il y a l'auteur matériel. Si l'autre, on peut le poursuivre également, c'est pour l'auteur moral peut-être. Mais lui, c'est un auteur matériel de cette affaire. Il dit, les gens là, ils m'ont amené les projets. Tout à fait, j'ai trouvé que c'était exorbitant. Mais après avoir reçu des pressions, quelle pression? Madame, oui, parce que vous pouvez nous donner la nature juridique de cette pression qu'il a eu, de saigner les trésors publics de l'État. Madame, vous savez combien de militaires aujourd'hui qui souffrent? Vous savez combien de fonctionnaires qui souffrent? Combien de secteurs de l'État sont en train de boiter? Là, on ne paye pas en urgence. Il faut payer en urgence que les escrocs. Il faut payer en urgence que les frappeurs. Il faut payer en urgence que ceux qui vont donner des problèmes sérieux à la nation. Pourquoi ça? Rappelons que le dossier Lampadaire, une grande partie, ça l'a mis forage. Madame. Et ça l'a mis en sauté 29. Madame. Tika, Congolais, Congomani, Ayako, Inayote. Nous sommes devant une évidence, madame. Lampadaire, Bache, Wapi. Je connais sur l'avenue université, que j'ai vu, au moins. Et puis la rappel, le coup, la kamoa, mon kamoa, ni amamoura, puis la ganaboutou, pas abomani, pas abomani. Madame. Je vous dis que ce monsieur est à la tête d'une entreprise criminelle tissée par des relations de participation criminelle, madame. Ce monsieur-là a été arrêté une fois. Vous trouvez un dossier sur la table. Des messieurs arrêtés pour les mêmes bêtises. Et vous trouvez ce dossier sur votre table. Il dit non, moi je devais exécuter parce que c'est passé par tout le monde. Mais non. Lisez l'article 56 et 57 de la Constitution. Il est passible même de la haute trahison dans la nation. Oh. Mais oui, parce qu'il est en train... Lisez la Constitution, vous allez voir. Madame, quelqu'un que vous trouvez un dossier sale sur votre table, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter? Très bien. Au nom de du patriotisme, au nom de la nation, au nom de l'État où vous avez trouvé la République, vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne pouvez pas refuser. Il dit, j'ai cédé aux pressions. Et par moments, il est... Pourquoi je l'ai dit? Il dit, je ne suis pas seul. C'est lui-même qui commence à citer maintenant. Il a ajouté Ngobila. Alors, lorsque une infraction est faite avec des gens comme ça, deux, trois, il y a participation criminelle. On doit arrêter ces gens-là. Je demande au procureur de la République, là où il me suit. Ces gens doivent passer en flagrance. Cette infraction, ce détournement ici, il y a la clameur publique. L'infraction est réputée flagrante. Les gens sont en train de s'énerver. Bossambi, ça y est, en flagrance, à Samba, au Lokola Kamerhe. On doit les condamner à mort, à inaugurer
peine de mort en République démocratique du Congo. Badiembi qui est en public au stade des martyrs. Il n'est pas différent de Nanga, ce monsieur. Est-ce le seul responsable tant que l'objet est mon solo, top ma camion, c'est le gars qui peut en dire à IGF. Madame, il y a à boire et à manger. Lorsque je suis en train de vous dire que il a commencé à citer les gens. Alors, quand il cite les gens, il cite Fumutoto, il cite mon ami, il cite tout le monde, vous êtes dans une participation. On doit appeler alors Alinguette venez. On appelle l'ancien ministre de développement rural. On l'appelle l'ancien. Et tout se passe devant la barre. Mais je vous dis, c'est Nicolas Kazadi. Yende bako diembi kanamboko pour la peine de mort. Il va inaugurer cela. Madame, je vous dis que le peuple souffre. Nous sommes en train de souffrir, madame. À un niveau exagéré que tu ne peux pas croire. Allez-y voir l'état de nos routes. Sortez par ici. Allez-y voir. On ne peut pas payer en urgence pour arranger nos routes là. On ne peut pas payer les militaires qui sont au front. On ne peut pas payer les femmes qui souffrent ici. On a payé en urgence un voleur de Merci M. Kassenda. Beaucoup. Il semblerait qu'ils sont en lien de familial avec l'autre qui a payé. Il a dit que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, madame. Ndeko Fumutoto, région de Rebisso, malgré qu'on est en retard. Moi, je suis en retard. Je suis en retard. Est-ce que à quoi faire face na ndeko deo kasongo o batobele ba moniki azana expérience na ou état de gestion ya ba entreprise pa ko gérer fi la Kinshasa malam toujours ki na ba maponom ya mona besoin question sur forage bon gestion des entreprises na gestion politique et la penda et lo ko moko te me ko zana lien ba parce que biso na science politique to lobaka. Toute organisation est une organisation, mais toute organisation n'est pas une organisation. C'est-à-dire, organisation à organisation, ils ont une âme, une essence, une expérience. Il y a des gens qui ont été des hommes d'affaires, ravivants, politiques, balaisir, il y en a qui ont échoué, alors que dans côté d'affaires, il y a qui m'accasse. Tout le temps, il y a une expérience, il y a un journaliste à m'accasse. Il y a un journaliste à m'accasse, il y a un journaliste à m'accasse, qui est dans la politique, tout le monde y a zindi. Tout le temps, il y a un musicien à m'accasse, il y a un traîné, tout le temps, il y a un politique, il y a perte de l'élection à Kinshasa, même dans la province, tout le territoire. Donc, ce n'est pas évident. Daniel Bumba, Azali, acteur politique. Edi Yeri, Azali, acteur politique. Daniel Bumba, Azali, acteur social. Edi Yeri, Azali, acteur social. Daniel Bumba azali na espace oyoya tout le kin malebo pour malebo stari bandundu tout ça donc toujours ça peut géopolitique na magamo tout ça salaire. Daniel Bumba azali moto atangi pe classe otoyebi nga na zali kotanga na science politique na nikini ya zotanga na économie esenga ateka moto dans experience esenga pe tu ba pe moto toujours pona za et attendre une classe ouap et c'est un appel les sous sous qu'au ça toujours ça la politique et c'est un licoye baïté cause un parti politique ali malam cause appel la famille politique et ali malam nan azam union sacré même si union sacrée dans la macambo mais tant que n'a bimé union sacrée nazarine de défendre politique et union sacrée surtout spécialement la macambo et botoli buso pouvoir des choix encore pouvoir des choix encore ça veut dire donc et buso union so la primaire, l'Assemblée nationale, Bongo, Baponi, Bato Senge Bapona, Vital Kamer, Bongo Yende Akutambisa, Akuzala président, Biro Assemblée nationale. Bon, on a côté de Ménéso Sundengeni. Donc, pour Nangaï, Daniel Bumba, dans la vision à bien, dans le projet de société à bien, Akoki, comme Makinshasa, na Kimia, na Sengo, Yenandeko, Edi, Yedi, vive expérience, on a outre copé ça, Yabango. Mais pratiquement, n'ayez pas. Alors, je suis en train de vivre.
Mais en termes d'élection, en termes de confiance, il y a la députée. Est-ce que Daniel Bumba va faire face à la délocation? Si que la députée va être corrompu, je ne sais pas. Utiliser la corruption comme moyen. Mais si vous avez que la députée va voter, il dépend de l'équipe de Belen à Kinshasa. Et puis, il y a un peu. Et puis, l'Union sacrée, l'équipe bat l'Union sur les députés provinciaux. Et ça, ticket l'Union sacrée, mon collègue. Mais dans l'histoire, la politique ou pratique du Congo, et ça, évident, toujours, que ticket, il y a l'Union, c'est la majorité au pouvoir et gagnant. Tout le monde, on a vu sur Léonard, chez Okutondo, a été battu, tout en étant candidat, il y a un pitch, quoi. Tout le monde, papa Kengo, a bêta. Il n'était même pas de la minorité parlementaire, il était un individu, un indépendant. Donc, ils allaient à l'Assemblée nationale. Les autres ont été de Kovital Kamir avant de soutenir. Il y a parce que sa position union sacrée, mais il y a un peu de Nakolobatango, Nayoka Kimakamusun de Kwazo Basake, il y a un peu de temps pour pratiquer. Donc, Bissoto Kokiko Lobake, ils ont été en ticket union sacrée, tout contre. Ticket unique à pouvoir, ce n'est pas encore arrivé, il faut se battre. Et nous voulons que ce soit le ticket de l'Union sacrée, choisi, présenté, qui gagne. Très pour bien. Que tout soit quand même soudé, sans ces mots, Union sacrée. Les Obamas ont déjà attendu de Kokabou et Azoé Bissaba député ou à voter ticket Union sacrée, tant aux alarmes. C'est logique parce que, qu'elle devient l'Union sacrée, ce qui, bon, moko. Sur les bocotes en exacte solidarité, que devient l'union sacrée ce qui consigne à Bakonzito Koyokate, que devient l'union sacrée ce qui tozali derrière autorité suprême l'union sacrée, j'ai cité mon amour café, c'est que Antoine Tchilom. Donc, consigne, il n'y a pas de société sans autorité, il n'y a pas de société sans discipline. Même ceux qui Moutoumousoko gagné, oui, tu ressens que ce cas ça, qui déjà te repèse des conseils, mais pour le moment. Donc, préférer Daniel Bumba, Nedieri, bah, gagner pour la vie à Kinshasa. C'est comme pour dire Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, parce que au Colo IDPS, au Colo MLC, très bien. Merci beaucoup. Nako le Kate, sans que l'Andelande Konangao, je peur de penser que c'est un juriste. Oui, c'est un juriste. Je peur. Ou bien à cause de classe, à Tiki Pembeni, pour ça, il est griboso. N'a droit, toute personne accusée. Poursuivi, jugé, jouit de la présomption d'innocence. Présomption d'innocence, et l'imkoloba, ce qui n'a pas kateri motoli kambote, n'a juge, pena makoki, pena bakonso bakatera kamotoli kamote, n'a pas kolobi na domaine wanate, motuana akoki na no kobengama, moibite. Tout le baka moibite, akoki na no kobengama, te lokola mutasai li kambo bafunde li yango. C'est vrai que présomption d'innocence, ezali précédé selon la présomption de culpabilité parce que des gens dès que Balobi osant la présomption d'innocence, c'est-à-dire les poursuites c'est judiciaires sont déjà entamées sur toi. C'est-à-dire que on a présumé coupable, mais on dit non, c'est ce qu'on s'embatte, on a peut présumer innocent. Donc, de quoi que le en tant que juriste, c'est une faculté que je respecte beaucoup, que un détourné au col la caméra babi misé na boloko moibi au col la boloko moibi ya moto ba établi sa kango na sima ya jugement établi et non avant de inculper ba ngomoko bato droit inculpé poursuivi babacha mapé ba mona bango. Moi j'ai fait les sciences po, mais la faculté de droit c'est juste la science voisine de chez moi. Et puis azamo nananga parce qu'en tant que politologue droit économie bazaba na boti. Donc attends na sei droit na yebi bango pour politicien nda votera loi juriste votera loi. Sauf si juriste on a payé mon gaza politicien na sika oyo na likambetali lampadaire na bon na sita na likambetali caméra na sita na parce que c'est dans nécessaire. Vital caméra était présumé innocent. On n'a pas dit que, parce qu'il y a lobby, dengeni ni biloko et monanité yé azala libéré. Non, ce n'est pas que yenda yibi biloko. Biloko ne bungagi. Bakangi ye ke. S'il vous plaît, je suis sérieux. Biloko et bungi. Baka. Ou tu peux ça, l'argument mouka d'état, chef d'état ou bagi projet, on est réalisé à 80%. On n'a pas dit que tout était détourné. Na o est détourné, on a supposé que c'est lui. N'est-ce pas? Na premier degré, ba condamné. Na deuxième degré, ba blanchirie. Je ne peux pas accepter qu'un juriste, à l'oba, si on est blanchi na deuxième degré,
on est toujours coupable si on est peut-être branché dans le premier degré, alors que tout dans le premier degré, deuxième degré, voire le troisième degré, cour de cassation, PSADI. Donc, s'il vous plaît, Vital Kamer est innocent de ce qu'on lui a reproché parce qu'une section de notre justice l'a blanchi. Le retenir comme voleur de tourner, ils ont qu'ils ont mais en opinion, les Camerounais tirent à la tête. Juriste à quoi ça veut dire qu'il y a entre différence entre la volonté de l'individu et la volonté du législateur. La volonté du législateur et le pouvoir du juge, l'intime conviction du juge, c'est quoi? C'est-à-dire juge m'ont examiné les Cambo, mon pouvoir de se prononcer. Sauf quand se prononcer, vous n'avez que des choix. Ce qu'on a d'accord, dans le délai, on recourir une instance supérieure. Ce qui, même si, on a la raison, on respecte le délai de recours, la droite, c'est-à-dire quoi? Et les qui? Mais ce qui peut instance, c'est qu'on recourir les athées. Et si, c'est ça la vérité de droit. La vérité juridique n'est pas la vérité sociologique. Alors, dans la vérité juridique, Vital Kamer s'en est moïbité. Bissot, non, juriste, c'est qu'on est moïb, mais il est bien moïbité, parce qu'on peut tenir, c'est quoi? Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît. Et puis, barré à la cour du tribunal, oui. Et le roi Nakumba va tomber. Nakumba, chef de l'État, paix Nakumba, peuple congolais. Oui. Donc, vous avez vos fingers, vos fingers, vous avez vos fingers, vous avez peuple congolais, parce que vous avez Vital Kamer et Moïbi. Deux, comment ça n'entend que Vital Kamer est en Jirak à l'Assemblée nationale, même en attendant Kabila Jirak, moi très bien. Pas très bien, dans le sens que, pour ma population, je suis résolu, mais je suis en train de me dire que même quand le président Vital Kamer est encore poursuivi, il y a un homme bien. C'est-à-dire que le chef de l'État, un homme sérieux, le retenait comme un homme correct. S'il vous plaît, les abilokos et les kaki, on a rappelé. Même logique, il y a un Nicolas Kazadi, collègue, Vital Kamer. Mais il y a des choses en face parce que ce qui a sali droit, il y a une des sciences de l'État. Pour que tu aies un expert en sciences po. Sciences po, ça veut dire plusieurs sciences qui étudient la politique, notamment l'économie, le droit, l'anthropologie, la sociologie. Donc c'est un expert en sciences d'État. Maintenant, est-ce que le ministre des Finances a l'autorité de vérifier l'authenticité des dépenses des autres ministères d'État avant de décaisser l'argent? Je vous prends face. Regardez comment Mbongo Salemaka. Il y a l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Il y a des Azakotia na Molongo, Mbongo na Mbongo et institutions dans le matériel. C'est ça, non? Il y a le budget qui donne les DTO. C'est-à-dire, documents où ils ont permis au coma, le ministère de la Finance. C'est-à-dire, Parlement Tchélio, budget à l'obi, trimestre, il y a autant. Aucun DTO au commun, le ministère de la Finance. Le ministère de la Finance, Moussala Naye, tant que Nicolas Kazalazo et les cas qui n'ont pas tenu, peut-être que tu vas comprendre. Est-ce que tout le monde est capable de juger les questions politiques? Est-ce que tout le monde est capable de soutenir un débat politique, une donnée d'État? Est-ce que tout le monde est capable de contredire un dossier d'État? Tout le monde, c'est ce que je vois, c'est mon frère. Oazo, ça va bien en bon sens. Ce n'est pas la science. Alors maintenant, tant que l'économie na la finance, avant de au pays, c'est-à-dire hors de les pays, il y a un bon budget dans l'Assemblée nationale. Donc, le Parlement tient là qui yo, budget à tient à Molongo. Après avoir payé ça, yo, à tali yo, na autorité budgétaire, à tient là qui yo, na compte non bon bon, au sol zubon, éthicali bon. Première chose. Deuxième chose, à y'a qu'au tal, et quand il y a caisse bon, hein? On va faire un peu parce que tant que vous avez le Nicolas Kazadi, quand un bon va fonctionner, à un pouvoir en angote, à quoi quand on a te bâton de baïebité. Il est à stabiliser Mboka pour aborder que ça recoule la planche à billets. Planche à billets, n'y a pas de problème. Mais bon, vous avez un Congolais ou qui n'a pas contribué à bloquer, vous faites quoi? Vous tournez le billet de banque. Tant que vous fabriquez, vous kélimbong. Tant que vous kélimbong, vous avez inflation à mon aide. Nicolas Kazadi est parmi les meilleurs ministres. Il a fait que s'il vous plaît, on peut attendre à Yokoloba. On ne va jamais quand l'autre parle. Mais dans vos lignes, tant que vous répliquez, au sein de l'agitation, tu as un point par rapport à aborder, parce que là, on a un point par rapport. Maintenant, tant que je suis à Salimbongoana, à Tali Kremboung, on a repéré sur les alliés. Maintenant, Libenga, l'État, Mbongozamouke, taux dépense d'urgence, peut-être il y a un chiffre, dépense d'urgence, ils allaient par exemple à dépense liée à la sécurité. Moyenne année passée, ils allaient 22% sur le recette nationale. Chutez-moi, maintenant, tant qu'il y a 27%, tant que vous avez vu que
dépenses d'urgence et qui est en sécurité 27%, et donc on va voir que le département monsieur était ça. Ça s'appelle détournement, ce n'est pas encore le vol. Parce qu'il ne faut pas y avoir un droit administratif, tout détournement n'est pas un vol. Le détournement ne devient un vol que lorsqu'on a désengagé du secteur public vers un intérêt personnel. Mais on peut désengager un crédit d'un secteur d'État vers un autre à cause de l'urgence, ça ne s'appelle détournement, mais pas forcément corruption ou vol. J'assume en tant que politologue ce que j'ai dit. Et je voudrais le raconter. Maintenant, l'empathie forage. Nicolas Kazadia, c'est là qu'il est au ministre, était lorsque le contrat était signé. Nicolas Kazadia, ministre, a coûté qu'il avait foutu à sur facturation des alliés. Nicolas Kazadia a fait obtenir à la République démocratique du Congo si les mêmes montants, 400 lampadaires au lieu de 1000 lampadaires. Maintenant, Nicolas Kazadia a décaissé un bon. Il y a une infraction à l'association de malfaiteurs et l'association des criminels pour avoir lui réussi quel montant d'après les preuves que vous avez. Merci. Mais ce qu'on peut... Calmez-vous. Alors, nous avons un débat, 30 secondes de alors, non, alors, appelle Sabisso, en tant que juriste, preuve. Parce qu'en droit, c'est celui qui allègue les faits, qui en administre les preuves. Tu ne peux pas dire que Moïb, après me demander, prouver que ça Moïb était. Prouver que nous avons que ça Moïb était. Approuver Ngaï par les faits. Que Nicolas Kazadia n'a pas la surfacturation, il n'y a pas Zouaki. Il n'y a pas Zouaki. Mais il faut se comprendre. Maintenant, tant que c'est Nicolas Kazadia il ne gère pas Kotaki. Ah, parce qu'il gère Foukaleza, l'inspection générale des finances est liée à ministère de finances. Pour le ministère de finances, alors il faut contrôler Makambo Misato. Contrôle a priori, c'est-à-dire patrouille financière. Bata la facturation, ça va pas affecter un bon contrôle concomitant, non contrôle a posteriori, ça dit Nassima. IGF, c'est quoi comment détacher et comment service qui dépend de la présidence de la République. C'est vrai que le ministère des Finances, je ne le vois pas, le vois pas avoir le pouvoir de contrôler et d'accepter selon lui les dépenses des autres ministères. Merci donc, on peut se pouvoir la première ministre et tout, après l'Assemblée nationale, il y a évité tout à président de la République. Donc, merci Nicolas Kass a dit, au moins, à quoi vous allez mourir, à quoi vous allez en attendant ma preuve, nous sommes sur le vital caméra Nicolas Kass a dit, et fondé. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko, Mike, Diana, Malobombo, Kawayo, Toba, Kotuna, Oloba qui avant Aloba, non, comment vous voulez, Ndeko, Mike, Diana, est-ce qu'il y a un indice de détournement ou pas dans le dossier forage à 279 000 dollars et lampadaire à 5 000 dollars? À quel moment, et comme il y a détournement, à quel moment Nicolas Kazadi est coupable de Kouroutikolo? Merci pour la moutouna, mais Pesanga Pendigisa, je reviens juste après. Les considérations dont je voulais prendre, heureusement, Fumuto Toazongi Nango, mais je veux rappeler un élément essentiel. L'une des raisons de détruire la culture congolaise, c'est justement quand vous établissez la clameur publique en élément, en indicateur principal pour juger un fait de l'État. Or, il y a eu une hiérarchisation, il y a eu une spécialisation. Ce qui est le mot à droit, si il y a un mot public, alors bon, Mamsa Nabino, il y a eu une nette différence entre ce qui relève de la clameur publique, ce qui peut relever de sentiment, du bon sentiment de la population, et ce qui relève du fait. Nangana a rappelé un mot parce que moi, mon plus grand problème, c'est que le débat public n'a pas commis très sale. Parce qu'on met beaucoup plus de sentiments, et le Congolais refuse de réfléchir, bah, au juger bah, à la place. Et parce que nous, on ne leur rend pas service. Je ne veux pas revenir parce que Fumutoto est déjà revenu sur les différents éléments, mais quand tu veux parler de l'histoire politique, un point de vue sur caméra, pour Nazamouibi, c'est ton point de vue. Mais le problème, c'est que quand je t'ai dit que Nabami Sato Batandama Yohana, c'est élu le meilleur candidat pour ce poste-là, va interroger son passé. Tu verras qu'il est, si pas le meilleur, l'un des meilleurs présidents qui ont géré cette Assemblée nationale. Par la capacité de législation, la gestion du débat et tout ce qui va avec. Et si tu veux faire ce travail-là, évite les discussions. Sokoyo Bandikoloa, par exemple, quand tu l'as rencontré, Okangye Mouibi, à fin de compte, dans le fond, tu n'entres pas, tu ne sais pas prouver à Madba Orlando qu'il est Mouibi pour A plus B.
Je reviens sur la question de Nini. Moi, j'ai un point de vue contraire à Fumutoto. Il est revenu sur les circuits normaux de choses. Mm-hmm. Je suis d'accord avec lui. Mais je ne pense pas que le trois types de contrôle qu'il a évoqué de l'IGF, le fait à redétacher la présidence, ça ne s'est pas arrêté. La preuve, moi, je suis dans une institution. Je vis combien de fois ça s'est passé. Mais Naba dossier où dans les circuits normaux, je serais d'accord avec lui. Mais je reviens sur un propos du prof Kalouba. Le détournement est une infraction des intellectuels. La question, c'est que quand vous arrivez, vous trouvez un projet sur la table, parce que Kinshasa a besoin en accès en eau potable, et ça d'ailleurs coûte croissant. C'est un besoin qui, depuis toujours, pose un problème. L'accès à l'eau potable est un sérieux problème casse-tête. La question, c'est que pourquoi les dossiers étaient pendants? Parce qu'on a estimé que ces dossiers-là, il y avait surfacturation, ça coûtait énormément cher pour le besoin. Je rentre dans le principe, il y a rééquilibrage en termes de budget quand il a parlé de cette chaîne-là. Ce qu'il n'a pas évoqué, c'est qu'au niveau... Bon, il a dit peut-être pas de manière claire, quand on arrive avant au pays, bah, vérifier qu'à liquidité en interne, par rapport à Obako, Opesayo, pour permettre aussi aux autres institutions de pouvoir fonctionner. Pourquoi un projet qui a commencé Ilunga Ilunkamba n'a pas été mis en œuvre pour venir le ressusciter après? Je sais la parole du chef de l'État à force de loi, quand il donne une instruction pour le faire, je sais ce que ça implique. Mais lui, en tant que ministre, lui n'a pas le droit. Mais il a entre ses mains des séculiers qui peuvent permettre de vérifier si effectivement le besoin présenté départ vers lui sont réels. C'est ça le problème. Moi, je suis d'accord. Il a fait un effort d'obtenir la réduction de 100 000 dollars par pièce, par nan, il a la facture. Voilà. Aujourd'hui, il dit, j'ai payé une partie, je ne paierai pas le reste parce que la première à compte exigeait 80 millions. Il faut 71 millions. Tout ça, en pourcentage, c'est combien? Tu as payé près de 80%. Alors que, je me demande, dans un système comment on appelle, il y a préfinancement, j'aurais aimé que ça soit une autre entreprise. Mamboulinga le cas peut-être différemment. J'estime, si c'est une entreprise viable, bon, ça m'a l'air de ne pas être viable, parce que l'entreprise au Burkina, la surfacturation de l'Oana, ça veut dire que sur Tali comptabilité, bon, il y a un sérieux problème. Et selon mes informations, c'est déjà, les gens qui ont gagné ces marchés ont déjà plusieurs dossiers par les cours des tribunaux pour les mêmes faits qu'on leur reproche aujourd'hui. Moi, je ne l'établis pas responsable direct. Mais je pense qu'il a une grande responsabilité dans ça. Aussi parce qu'au-delà, il y a circuit normal, il y a budget. Nous savons comment le chose se manage. À ce niveau-là, ils avaient présomption. Je ne lui imputerai pas parce que je ne peux pas moi-même tomber dans ce que je reproche aux autres. Uh-huh. C'est-à-dire qu'on se pose la question, on s'est dit, bon, si aujourd'hui nous connaissons le process occulte, un système, il y a paiement et la dette interne. L'État a la dette de mettre en face de 500 000 et ça lit 10 ans. Il dit, bon, ce que ça n'est pas l'État ou Zouaté. Moi, je suis capable de remettre ça bon, voilà, mais au TIC à 200 000 et aux 300 000. Nous connaissons tous quelle est la malice que les gens utilisent pour pouvoir bénéficier dans tout ça. Moi, je ne lui reprocherai pas ça. Mais la grande responsabilité que je mets sur Nicolas Kazadi, c'est d'avoir, pour un besoin exprimé par le chef de l'État, faire recours à une entreprise déjà mal vue, qui arrive avec des surfacturations à un niveau exponentiel. Ça prouve à suffisance qu'ils sont de la mauvaise foi. Pourquoi ne pas réorganiser un appel? Pourquoi ne pas redemander à la direction de passation de marché public de refaire un process, retrouver d'autres entreprises, parce qu'il y en a aussi, qui peuvent, cette fois-là, vous apporter une offre différente que Yokutina Mesana. Et là où il y a un danger, c'est que, moi, je ne l'ai pas suivi directement le dire, mais de par les articles à gauche, à droite, on dit il aurait sorti le mot pression. J'en parle au conditionnel parce que je n'ai pas suivi de manière directe. Il en a dit. S'il l'avait dit, là encore c'est notre problème. C'est là où j'ouvre maintenant la réponse à ta question. Oui, il y a un indice. Parce que s'il y a pression, ça veut dire qu'il y a eu manipulation. Et à cette manipulation-là, à lui de dire les responsabilités, de qui a-t-il reçu cette pression-là? Si jamais il l'aurait dit. Mais moi je crois, si tu veux, dans ça, il y a des indices sérieux de tournement. Peut-être la justice fera son travail de déterminer quelle est la responsabilité des uns et des autres. Mais dans le fond, il y a des tournements à grande échelle. Parce que ce qui toque à l'hypothèse, Babi, non, ce n'est pas de simples forages de puits comme on met traditionnellement qui coûtent 1000, 2500, mais ce sont des points d'extraction d'eau pour servir à une grande masse. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il nous est impossible de pouvoir vérifier, comme on a fait de la contre-expertise, pour la plupart, maisons préfabriquées et autres, pour voir si réellement le prix donné. Moi, je l'ai déjà fait. Les prix donnés sont fausses.
Le plus grand péché de Nicolas Le plus grand péché, c'est d'avoir cautionné. Jusque-là. Jusque-là, pour moi, il a été léthargique. Parce que, de par ces niveaux-là, on pouvait recourir. Je veux vous donner un exemple pour finir. Si, pour une institution comme le ministère de l'EPST, qui, après collectif budgétaire, après tout ce qui est comme process dans la composition du budget, avant la loi de finances, présente ses besoins et de manière annuelle va rencontrer l'intersyndicale des enseignants pour discuter, prendre des mesures pour éviter les grèves comme c'était dans les années passées. On sait que l'EPST, à telle date, exécute autant de budget pour tel besoin. On arrive à la date, Nicolas Kazadi vous dit, je ne vous donnerai pas parce que j'estime que le nombre que vous avez placé ici, le nombre est exorbitant pour aller négocier, je ne vois pas l'utilité de tel. On a rediscuté des choses, on a coupé les budgets presque de moitié. S'il peut le faire pour une institution, pourquoi ne peut-il pas le faire? Pour dire que la liquidité, avec ce qu'on a, avec ce qu'on a comme priorité, on ne peut vous donner que autant et pas ça. Et à ce niveau-là, je crois, c'est un travail, c'est un projet qui doit être exécuté. À la limite, recommencer le processus. Merci beaucoup. Lancer un appel d'offres nouveau pour cette fois-là. Revoir le clause, le terme de référence, parce que c'est ça le plus grand problème. Quand vous relancez un appel d'offres, vous redéfinissez le terme de référence. C'est comme le principe de l'offre de la demande. Dites quel est le besoin et quelle est la cagnotte réservée. Voyez ce que les autres entreprises vont proposer. S'ils rentrent dans votre budget, on serait passé... Très bien. Merci beaucoup, madame Boka. Tu commis vraiment la sous-émission. 5 minutes, 5 minutes à chacun. Pour que tu cites un dossier où tu as un Boka Moko, moi, le problème est à Ebélé, on se fait urgent. Le problème, il y a le détournement. C'est 5 jours qu'on en parle. Bon, et Bungi, et Sika, et Monsole, et Sengali, et Sala, et Salite. Les lots, et la Nini, de la part, il y a le Kondiam. Je cite parce que au-delà de tout, Nanyaza responsable de toute justice n'est à Kokata Likamboyango. Maître Jean-Pierre Ngalula Malobombo Kayo, votre mot de la fin, vous avez 5 minutes pour citer tout retenir Nini, Namayon Solobami Awa, dossier lampadaire, dossier forage, point y a extraction d'eau, n'est de Galobi, puis ça différent à forage au Timbola Rabanda. En base a été Maman Naomi, traitement et cause à la équilibré, et au côté de sa keyo pose à l'imokoyo, azo kamba, émission à démocratie. Bazami Balé, Baimboka Bamoni, Minite Balobi, Naoyozo Pesangai. Maman Yayambo Nazali n'a pas si la motema. J'ai de l'égard et de l'estime envers Kouloutou Nangaï et chapeau bas pour Koyo Kaye Mbalana Mbalame à décevoir Ngalilo. Je suis en face d'un Fumutoto que je n'ai jamais connu. C'est un nouveau. À moi, Koye Misangaï, que on a Zana et Pena vient Fumutoto. Ton pirate, bon, 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 pirate, mec. Je ne vois pas Fumutoto. De 2015, 2014, je descends 2012. Défendre quelqu'un comme Nicolas Kazadi et Vital Kamer dans de tels dossiers. Et il dit qu'ils sont les innocents. Ça démontre à quel niveau la transhumance des cerveaux commence même à se faire au Congo. Tokokende Wapi, si ces gens qui devaient tenir les drapeaux aussi haut, pour que nous soyons bien dans la carte Bakiti ici. Fumuto toi père, Nicolas Kazadi innocent. Ah, bah il m'a bien mouru pour moi. Gana kuna basi. Na kisabu soki aza coupable. Po yaza ba elements mingi kole kabata. Na lobi na yo eloko ali boso. Lobi notion à culpabilité. Alobi ya présomption de culpabilité. Effectivement, Fumuto. Mais en droit, il y a aussi la présomption. La présomption de culpabilité. À côté de la présomption d'innocence, il y a la présomption de la culpabilité. Mais dans le droit congolais, ils ont la consacrée. Ils ont la plutôt les indices sérieux de culpabilité. Quels sont les indices sérieux de culpabilité? C'est entre autres les aveux. Mais quand ça vient passer aux aveux, Kouloutou. Il dit, bah, ce qui est bon, c'est du 1500. Mais quand il y a une pression, il y a la foutine à 5000. Il y a participation. La participation, c'est lorsque une infraction se commet et vous jouez un rôle. Je parle dans des termes si clairs pour que nous soyez. Tu as joué un rôle. Et les rôles là étaient. On doit identifier la qualité de ces rôles-là. Si c'est un rôle important,
Alors vous êtes dans les mêmes. Mais quand ça vient faire jouer un si très grand rôle, celui qui a décaissé l'argent qui est allé en détournement, vous pensez qu'il est innocent? Les politologues, ça fait mal. Kazadi, c'est un prisonnier à liberté. Il est mis à être chargé. Yakulamba, vous voulez na kokabola na makala na prison. Yami Balé, alors il a démontré participation, il a démontré. Il y a beaucoup de projets à Mabé, maman. Yamabé, consciemment, tu as trouvé Mabé. N'oubliez pas que Nicolas Kazadi Alobi, il y a des projets du genre comme ça que j'ai bloqué. Mais pourquoi donc tu n'as pas bloqué celui-ci? Donc, le fait pour lui de trouver un dossier sale, parce qu'il a eu pression en Gobi Lalobi que pour la Bakuruna, comme ça je paye, tu y as participé. De ta faute, une infraction est commise. Tu es arrestable. Il y a la présomption de culpabilité sur toi, ça pèse sur toi. Et à partir de ce moment-là, on peut conclure que tu es coupable. Marché public, Kouloutou. Est-ce que marché de gré à gré, Oyo Kazadi a pesi kotoyo, nambo onenge kendeli, et le kanaki na chaîne normale, il y a budget voté par le Parlement, passé en procédure d'urgence? Non. Non, Kouloutou, tu l'as dit. Projet et le kanaki na circuit normal était. C'est comme ça, Babengango, de gré à gré, et obéir la procédure d'urgence. Et ce que vous oubliez, ça, ça doit être dit quand même. Tout décaissement, procédure d'urgence, maman, ils auront toujours quitté ce chef de l'État. Vous ne pouvez pas décaisser Mambongo et Belendengwana sans que les chefs ne soient informés. Je crains que le président de la République, Azala Yoka Kipe Atikaki, ça sera très dangereux pour nous. Et là, quand ils ont insisté qu'on va bouiller, au même temps, il y a toujours médiocre, moralité trop sale, population qui a été faite, les vieux pour Fumutoto, fait les dialogues, il y a tout. J'ai l'envie de pleurer quand je sens, c'est un cerveau que je connais. Quand je le sens aujourd'hui défendre Kamere et dire que Kamere a bien, il parle de Diel et les autres. Mais ceux qui réellement le chef de l'État est démocrate, qu'on se pose la question. Pourquoi primaire et salémité pour la ville à Kinshasa? Les vieux pour Moutoto, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Quand on doit maintenir sa candidature et les autres, n'est-ce pas que les candidats s'entretuent? Qu'est-ce que le chef de l'État fait? Il ne pouvait pas appeler là-bas? Là, non. Wana, baleganana, secondaire, na humanité. Pourquoi cela n'est pas fait pour le premier ministre? Parce qu'il y avait des gens comme moi, par exemple, je voyais l'IAO. Je voyais par exemple, ça c'est mon point de vue personnel, je voyais par exemple Gilles Alinguette comme premier ministre. Madame Mouyi Belingake Missile la Kamukolo, le même jour, nommé Mouyi Belingake, Missou Bangaba Midiembi Kambala Moko. Le chef de l'État n'a pas voulu ça. Il a cherché Motonaye Oyo, Ayebiye Moko Nege Mokobanda collaboré. Pourquoi primaire que ça les macan Assemblée nationale? Un peu d'élégance, vous parlez à une dame. Oui, je n'ai rien dit. J'ai dit que le chef de l'État sait pourquoi il a eu la dame et il sait comment ils vont collaborer. Je n'ai rien dit. C'est son homme, c'est une forme de confiance du chef. Ils savent comment ils vont fonctionner. Contrairement avec l'IAO, contrairement peut-être avec Alinguette. Votre message à la population, tout cité. Message n'engage la population dans Kolobana Bangoboy. Peuple congolais, on ne libère pas un peuple. Le peuple se libère. Vous êtes les témoins. Quand on vous paye, vous, parce que vous foutez 200 000 francs ou 250 000 francs congolais, qui n'est même pas 100 dollars, il y a quelqu'un à côté qui paye en procédure d'urgence 27 millions facilement comme ça, à une entreprise déjà réputée très mal, il paye quand même. Et d'un côté, pendant que le peuple congolais portait Kaoukina Noté, vous voyez,
on pourra quand même, on retourne nos affaires. Très bien. Merci. Et pendant ce temps-là, les vieux Fumutoto, c'est dans l'élix démoniaco satanico bizarroïde de venir défendre ces gens-là. Merci. Et dire que Kamere c'est un saint, bah, qui est un deuxième degré. Vous savez pourquoi les ministres n'est pas. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Jambi. Très bien. Merci beaucoup. La Kisa Ndako Moko Oyo Ezana Kishasa préfabriqué et si la normale Batubakota Bavanda. Merci beaucoup. Viens qu'on défendre Bamini. Très bien. Tu n'en as pas l'âge. Merci. Nous, on a l'âge de les faire partout. Oh là là, c'est bon. C'est bon. Merci, c'est bon. Je les connais. S'il vous plaît, merci beaucoup. Viens vous conseiller Bamini Moko. S'il vous plaît. Tu es un tribunal. 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 Mike, je vous reviens. Je vais vous clôturer. Votre mot de la fin. Que retenir Bandeko Bébé Balobi. Pas d'espoir pour deuxième mandat. Tata Mokambeko. Tu es un scandale. Détournement. Okuna Weleli. Yekuna Ligaz à la place. Union sacrée. Ambition. Gérance Malongate. Est-ce qu'il faut croire que Tata Mokambeko a kokokisa 6 points d'engagement à Zouaki à l'égard de Banamboka Congo. Kokokisa Ngozo dépend quand la première coloration est à orientation au PSA, l'exécutif. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème de choix à Judith Semina parce que c'est vrai, j'ai dit toujours que la politique a une expérience ébellée, mais c'est une femme qui, en matière de finance, est une technocrate. Elle est passée par des très grandes institutions du monde. Qui a échoué aussi là où il venait. Si, non, c'est juste comment moi on apprécie. Tolérance. Son gars, il passe dans les arrêts. Débat personnel, il y a pas émotion. Non, pas émotion. On parle de fait. Il a échoué là où il était. Ça, c'est une vérité. Il était où il a échoué dans quoi? Au plan. Parce que pour toi, c'est quoi l'indicateur pour Yibaka réussir? Le ministère, non, s'il vous plaît, on a mal au bâti. Elle a échoué là où elle venait. En fait, ce que je plains. La culture congolaise, les Amambo. Le ministère du plan, c'est l'organisateur de l'exécutif. C'est un peu comme l'armée. Kuna makele les arakats, kuna les arakats, documents d'orientation. Avant de pouvoir se permettre le luxe de dire, bon, on a échoué, essaye de savoir quelles ont été les actions lui dévolues et à sa ligne, à sa lité. Ça ne sert à rien de venir ici de manière émotive dire, t'as échoué. Ça détruit la culture. Il y a un moment, Congolais, on comprend, on marche avec lui. On n'aide pas le Congolais. Je vais aider le Congolais. Quand tu parles des questions des 6 piliers à chef de l'État, moi j'ai des éléments indicateurs, ça là que Nandi Masoka va réussir ou pas. Ce n'est pas les têtes de gens, c'est dans l'orientation politique. La première indication, non, t'as là. Taille européenne, c'est un gouvernement. Pour moi, c'est un élément essentiel. Deuxièmement, pour moi, ça sera les actions prioritaires qui vont définir dans le projet qu'ils vont défendre au niveau du Parlement. C'est là où on saura ils vont aller loin ou pas. Ponanga ina rappelé, parce que Nadingarabi Sabat, monsieur le chef président de la République, la priorité des priorités, je sais que la guerre aujourd'hui est une priorité des priorités, mais pour finir la guerre, il faut le moyen. Or, pour avoir le moyen, il faut quitter cette dimension de cueillette. Le Congo a deux valeurs différentielles. Il y a agriculture et énergie. Ce qui car un gouvernement, vous donnez la possibilité d'aller vers les projets intégrateurs dans le secteur. Vous verrez que le Congo va sortir de son bourbier et même en termes de mobilisation, on sera plus grand que ça. On va résoudre plusieurs problèmes. Pour moi, c'est les deux choses que j'attends principalement. Mais en dehors de ça, Tikangana Zong, on a quelques éléments de détail. Il faut éviter de mettre dans la tête de Congolais la providentialité à battre. Naokin de Konanga Obe Tel Sola, Jules Alinguet. Je vais aller soit comme premier ministre au Kangabadwa qui est des prisons. Mais ces hommes sont premier ministre en prison. Il ne faut pas confondre le rôle de gens. Quand on est chef, inspecteur chef général, chef de service de l'IGF, il y a des prérogatives qui vous confèrent le pouvoir d'agir comme ça. Quand vous devenez à la tête de l'exécutif, c'est un autre rôle. La vérité, c'est qu'il pourra peut-être faire un travail. Je préfère Kamonéna, casquette naïa technocrate. C'est un très bon technocrate. Il a fait ses preuves et on estime qu'il pouvait être premier ministre, il ne l'est pas. Je ne pense pas que Jules Alinguet en était demandeur. Mais il faut éviter le problème d'individu. Ici, quand on parle des questions de la République, Neti Makambo, je vous le dis et je rappelle aux Congolais, il y a des indices sérieux de détournement dans Mambouya, forage, dans Makambo, Lambadaire, ça c'est clair. De fait, on ne peut pas imputer juste là de manière directe à Nicolas Kazali une responsabilité principale dans le détournement. Mais il a un rôle à jouer. Il a été... pour beaucoup de choses, parce qu'il y a deux projets, pourquoi il s'est permis de finir. Mais si vous dites de finir ça, il y a les indices.
C'est quand même vous... là, ce sont les indices. Très bien, s'il vous plaît. Ma bien c'est juste de dire les indices. C'est ce que vous dites là. C'est ça les indices. Il a joué un rôle. Calmez-vous. C'est ça. Quand tu as tenu ton argument, tu t'es reposé sur ce que je dis parce que tu n'as ajouté aucun élément. De nouveau. Évite de nous amener dans les débats. Yo, ça débat opposition. Moi, je suis scientifique. Sur le ça débat, il n'y a pas populisme. Fais-le avec le politique. Tu vois, Fumuto Tobasanga, il s'est catégorisé union sacrée. Faites-le. Si, apportez la science. Laissez-nous avec Fumuto. Non, c'est pas un débat politique, malheureusement. C'est un débat politique. Non, ça, c'est toi qui penses. S'il vous plaît, Ngongazo, c'est là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une émission pédagogique. Donc, lui, il pense qu'on peut réfléchir à pareil de l'État sans mettre la science. Vous voyez là. Là où on est. Très bien. Prochainement, quand on veut faire un débat, essayez de circonscrire le sujet parce qu'au lieu de faire des discussions. Donc, je pense que dans ces débats-là, il faudra que la justice se mette très rapidement. Et je chuterai peut-être par un deuxième et dernier élément. En tant qu'ambassadeur des personnes vivant avec handicap, je rappelle au chef de l'État que cette catégorie des gens représente près de 30% de la population congolaise. On parle de plus de 13 millions d'habitants en RDC. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des gens qui... Mais l'affaire sociale, c'était un peu perdu parce que c'est des gens qui méritent attention particulière. Parce que même, Nazwaka, exemple, Moko, un examen d'État, les gens comme les albinos ont besoin d'un traitement particulier pour pouvoir obtenir les mêmes résultats que les enfants... je ne veux pas dire normal, mais les valides. Ouais. Donc, en gros, il y a beaucoup des éléments. Aujourd'hui, le monde est très regardant sur Makambouana. Vous avez mis en place un ministère... Madame Irène Sambo est restée dans l'organisation. Aujourd'hui, elle a réussi à mettre en place une administration, notamment secrétariat général des personnes vivant avec handicap. Au-delà de ça, il y a eu une loi qui a été votée. Malgré il y a 2008 et Trenaki, ils ont réussi en 2024 à faire voter une loi. Maintenant, il faut donner le moyen pour orienter et organiser ces gens-là. Parce que ce sont des agents économiques. Tant que Batika Larana, boulevard à commandier, c'est... T'as manque à gagner pour la République. Or, il y a des compétences dans ces gens-là qu'il faut réorienter. Merci beaucoup. Je lui rappelle, je le dis parce que j'ai vu une association venir dire qu'il ne faut pas supprimer le ministère des personnes vivant avec handicap. Je rappelle le chef de l'État, ces ministères-là, c'était une première, mais qui a fait un gros travail. Botikaya, continue Nzelawana, peut-être avec d'autres animateurs, mais gardez ces ministères parce que c'est dans les enjeux du monde aujourd'hui. Merci beaucoup, Diane. Mike, votre mot de la fin. Je vais retenir de ces dossiers. Population et lobby, pourquoi 100 jours justice et kotaki na lombango, malikambetali, lampadaire, justice et zoya na malembe, malembe, alors que c'est saisir déjà du dossier. Ndeko Nanga à droite, est-ce que partout dans le monde où on a résolu le problème de personnes vivant avec handicap, on en a créé un ministère? Non. C'est déjà un problème. Le ministère des Affaires sociales existe. Et la province pourquoi avoir de créer, donc création pays avec un ministère et béni, ça pose problème. Pour répondre au problème des catégories sociales, alors qu'il y a même des grands pays développeurs dans le ministère de la Culture. Mais alors que nous sommes dans le centre culturel partout dans le monde. Donc, par rapport à ce que nous avons dit, il y a un lobby pour le droit administratif détournement de Koloba. Le crédit n'a pas été et ce qu'ils ont été des autorités budgétaires à l'Obaki. Des engagements dans Yango et qui ont été volés, tout est. Parce que tant que le lobby qui dépense utilitaire, urgente, et le lobby n'a pas vendu pour ce qui n'a 27% pour la guerre. Et l'un que le secteur, nous sommes bons, on a la kira qui va nous commander ce soutien. Mais ça, bon, éviter. D'où, Nalingi, Nathan, on a tout ça, la émission, tout ça, on a un mot clair parce que si un seigneur, c'est que c'est un jargon. Jargon, c'est un concept, c'est un même, une idée, c'est un fait. Donc, deuxièmement, dans le bac, il y a un peu de temps, c'est que tant que commis, le ministère de la Finance. Le ministère de la Finance a examiné directement parce que le ministère de la Budget a dit d'être au pays. Non. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'avais évoqué qu'il y a un salaire qui planche à bien, c'est pour dire que, au Koki Kosenga, mais à Zotala, est-ce qu'il y a un caisse et Isali? Donc, côté Ouana. Côté Mibale, il y a des grave indice de culpabilité. Pas grave. Moi, j'ai dit grave. Il y a autant que Ndena Yosa juriste, s'il vous plaît. Souvent, on a le balai, on a un petit juriste.
Le ministère public instruit à charge et à décharge. Vrai ou faux? Vrai. Merci. Le ministère public peut confirmer des charges sur un inculpé, un poursuivi, mais le juge n'est pas tenu à toutes les déclarations du ministère public pour qu'à décider. Non. Lorsque le ministère public instruit à décharge, ah, il accorde la liberté pour non, les autres. Déjà, mais Nassina Longwaki. Non, non, non. Non, 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 non. Toyokan. Nassina Longwaki. Dès qu'à décharger, ça veut dire que comment et qu'on a fixé. Pour caméra, c'est ça. Yokan, non. Maintenant, tant qu'on a pensé que le deuxième argument, tant qu'on a juriste, il faut l'en non. Le deuxième argument, c'est que le ministère a instruit à charge, a retenu des indices forts de culpabilité, même en qualifiant les faits des infractions. C'est ça, non? À fixer. Maintenant, à fixer, même pendant l'audience, à la fin de la dernière audience, le ministère public peut même dire ce type ici, il est coupable pour telle infraction, il mérite d'être condamné pendant 15 ans. Voilà. Est-ce que le réquisitoire, est-ce que le juge a tenu dans vous? Le juge peut acquitter la même personne. Faire un faux. Maintenant, il y a un indice qui permet tout ça dans le plateau, il y a un juriste. Qu'est-ce qu'on a l'objet pour y aller? Alors, l'indice de culpabilité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis pas juriste. Non, non, continue la séance. Moi, je ne suis pas juriste. Mais j'étais recadré. S'il vous plaît, recadrez dans mon gaïté. Ah. Maintenant, non, non, le bagage que pour qu'il y ait présomption d'innocence, il faut qu'il y ait présomption de culpabilité. Yo, le but, comme ça consacré, ce sont les indices de culpabilité. Mais est-ce qu'un indice de culpabilité suffit pour que Moutaza la condamne? Non. Mais c'est ça. Dis non, indice de culpabilité, c'est une introduction générale pour balan de la moto. Parce que ce qui est indice de culpabilité, c'est un. Le ministère public doit instruire à décharge. Mais ceux qui ont des autres types d'instructions pour là. Mais dans ce instruction, nous sommes avec les indices de culpabilité et sous la condamnation. Il y a des gens qui sont acquittés. Ce qui fait que quand on dit premier degré, deuxième degré, ça veut dire qu'au premier degré, les indices de culpabilité ont conduit à des preuves d'infraction, on vous a condamné. Mais lorsqu'on revient à un autre degré, on commence un nouveau procès. Et puis, on acquitte. Et un juriste sait que la personne qui a été condamnée à premier degré est acquittée dans le deuxième degré. Du point de vue du droit, il est innocent, elle est innocente. Tu veux que ce cours-là, on pèse la fumée toute en 2013. S'il vous plaît. De l'argent détourné. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Acquitter veut dire quoi? Acquitter, ça veut dire les charges. Mais non. Acquitter veut dire les charges qui pesaient sur la personne par présomption de culpabilité que tu as appelé indice de culpabilité. Et ça, les sous-souté. Mais si vous Tu as prouvé ton coquité. Si les non-juristes, les néophytes, parce que tu es déformé par la formation de juriste et tu as l'obligation de respecter ta formation et même la déontologie. Ce que moi j'ai été rappelé, c'est ça. Vous rappelez que vous avez la 2013. On est capable de vous subir. Et je suis fier de débattre avec vous. Au contraire, participation, élément infractionnel. C'est-à-dire, évoquer une disposition de la loi qui dit. Le ministre des Finances, une fois établi qu'il y a ça, ne peut pas faire ça. Pour avoir fait ça, voilà où Nicolas Kazadi est coupable. Si vous voulez, toute participation n'est pas une infraction. Il a évoqué un terme que je peux épouser en attendant, la léthargie administrative. Ça veut dire qu'il aurait pu jouer un rôle, mais qu'il n'a pas pu jouer à cause d'un fait.
Mais ce fait-là, ce n'est pas toi qui dois établir que la léthargie signifie infraction. S'il vous plaît. Deuxième élément. Nakati Péa, tant qu'on appelle Simbo Mouan, tant qu'on pression. Mais il ne t'a pas dit laquelle. La pression du droit existe aussi. La pression hiérarchique existe aussi. Mais dernièrement, nous avons calé. Nous avons calé. Nous avons calé. Nous avons calé. Nous avons pression. Nous avons calé. La volonté de nier. Non, la pression hiérarchique, c'est le chef de l'État. S'il vous plaît. Marché de gré à gré, Koko Salé Maté, ça, hors d'un chef de l'État. Mais oui. S'il vous plaît. Décaissement mais, en procédure d'urgence. Mais Kassiamou, on a décaissement en procédure d'urgence, c'était. Mais tant que Balobi n'a eu décaissé en procédure d'urgence, tu as bien une pression parce que Ecolanda est sous-souté, normal, il y a une étape. S'il vous plaît, mais est-ce que tout marché décaissement en mode d'urgence, sinon, c'est une infraction. Alors que c'est une attaque, c'est un grand service. Alors, mais on veut que quand on connaît. S'il vous plaît, yo, comme s'il vous plaît. S'il vous plaît. Yo, mais Nazan Akani. Nazan Akani. Alors, il est pris même au débat. Nazan Akani. Détournement que vous établissez sur Nicolas Kazadi, vous jouez maintenant le rôle de quoi? Du ministère public, du juge? Immédiatement. Maintenant, Bargiman, direct, c'est non fondé. Tous en infraction. Automatiquement, quand on est sur le camion public, mis sur la population, nous devons avoir tout le temps. Quand on est sur le camion public, pour appeler ça y est, ni n'a pas repris ça facilement. Il va collaborer. Mais qu'est-ce que tu as insinué en disant que on attendait Moutouloko là par exemple, il dit la Lingueti, mais qu'il ne copesse. Il y a un moment esprit de penser dans ce débat, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, je vous assure que Mme Judith Soumino, à Zalaki d'abord, c'est que coordonnateur adjointe, n'a CPVS, la présidence, un service spécialisé de la présidence, spécialement ministère du plan. Pour avoir bien fait le travail de suivi, Ndéa Komaki, ministre d'État en charge du plan. Moi, j'ai échangé avec elle et j'ai porté ma cambo. C'est une femme de caractère, de qualité que vous ne connaissez pas. Gilles Alinguette, je termine là. Maintenant, Gilles Alinguette, c'est un homme de qualité. Maintenant, ce qui est le cas d'affirmation gratuite, attaqué, alors que c'est une référence de contrôle des finances publiques dans le Congo. N'a quoi t'es là, été parce que y'a lobby. Combien de Congolais basent pour nous s'agir la Alinguette dans le Congo? Alors que, s'il vous plaît, alors que Gilles Alinguette, c'est une fierté. Moi, mon rôle, c'est quoi? C'est défendre ce que nous avons promis à pouvoir de faire. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait et pourquoi? Je ne peux pas défendre le chef de l'État sans défendre les hommes de confiance du chef de l'État. Surtout place au bazar, ma beauté. Surtout place au bazar. Et là, on a connu ça congolais. Ce qu'on a vu dans le monde, c'est que Nicolas Kassadi a salé le côté. Vous dites autrement que le chef de l'État n'a rien fait. Or, dans 5 ans, le président m'a coupé à Salim Makambo pour la Congolais pour les cafés. Mais moi, je vais vous dire que financement, il y a une élection, on a plus d'un milliard de dollars. Financement pour la sécurité, plus de 27%. Dépenses d'investissement, Togala qui n'a 4% en recettes internes, Togala 11%. Financement, il y a. Processus électoral, financement à gratuité de l'enseignement, hôpital à Maïe, combien ont ébimi la ministère? Alors, tu ne vous dis jamais que bon, le peuple, mais la gratuité, c'est toi qui as le c'est le peuple. C'est la fin de l'émission. Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Continue à bon et comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tenir la bande de Kombongo. Dans ce cas, il y a application Sandweb au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, il y a continué la bande de Kombongo au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, qu'on récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango,
et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le cola bénéfice. Donc il y a pas mieux, télécharger mokona lelo makamba au télémanager Cécile, il y a pas mieux que ça. Tinda bon la facilité dès aujourd'hui, télécharger Sandware nanzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.